J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Puis je vous dis un premier bonjour à 9h40. Donc salut, salut. Et je t'en dirais, j'étais comme tout endormie, j'étais comme ben. Je suis assez confortable sur mon petit sofa. J'étais en train d'écouter Dynasty. Oh my god, je vous en ai pas parlé dans mes vlogs, mais la troisième saison est sortie sur Netflix. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça. Mais c'est merveilleux. C'est sûr, là, la troisième saison, là je vous pète un punch un petit peu, là, mais je vais pas dire c'est qui. Moi, je suis d'habitude à péter des punch. La troisième saison, il y a genre des personnages t'sais, qui changent, là. Ça, c'est comme pas trop le fun quand ils font ça dans les saisons, mais regarde, je vais pas dire c'est qui. Mais j'ai tout autant embarqué dans la saison, là. C'est vraiment bon. Et pour ceux qui se demandent, c'est genre. C'est comme. Il y a comme du drama. C'est genre deux familles de riches qui, comme, veulent avoir les mêmes affaires. Puis là, il y a des chicanes, il y a des meurtres, il y a des mystères, il y a du beau linge, il y a toutes sortes d'affaires. C'est pas mal ça. Mais. Bref, j'espère que vous allez bien. J'ai comme commencé ça bizarre matin, mais regarde. Comme ça, j'ai commencé. Je viens juste de terminer ça. J'ai écouté comme deux épisodes dehors, c'est beau. Mais oui, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'espère que ça va bien, vous. J'espère que vous passez du bon temps. À la maison ou au travail, parce que là, par ici, les gens commencent de plus en plus à travailler. Parce que la majorité des choses sont ouvertes ou ouvrent, genre, bientôt. Mais ouais. Oh, c'est ma belle-sœur. Non, attends pas. Mais ouais, aujourd'hui, ça va être un petit jeudi ben tranquille. Il annonce comme 35, je crois. Je chialerai pas. Mais comme je vous ai dit dans mon vlog, je suis une fille de automne-printemps. Mais là, ben printemps, genre, à des petites températures, 30, 35, c'est comme été. Mais en dessous ici, je vous avais dit que genre c'est moi là qui est mon petit sofa. Puis là où est-ce que j'ai mis deux tables, excusez. J'ai pas vraiment de soleil qui vient ici à part le matin. Sauf l'après-midi, je peux me cacher ici. Puis j'ai comme pas trop de soleil. Mais regarde, je vais vous montrer, hein, j'ai rajouté des petites lumières. C'est trop cute. J'aime trop ça. Puis le soir, là, c'est tellement beau. Je vais vous montrer ce soir qu'est-ce que ça fait allumer. J'ai pris ces petites chandelles-là au Kent. Au Kent. Puis, ouais, ben c'est pas mal ça. Sinon, aujourd'hui, les petits plans, j'aimerais quand même rester un peu dehors. Si bien que je travaille un peu sur mon temps. J'ai mes deux avant-bras quand même un petit peu. Quand même, ils ont quand même pris de la couleur, mais c'est parce que j'avais oublié de me crémer. Je m'étais crémée partout. Sauf, c'est comme si j'avais oublié de passer mes mains sur mes deux avant-bras. Je vais vous dire que j'étais la couleur du pétro ou ceux qui connaissent. Ben, vous connaissez le pétro. Même au Québec, il y a des Pétro-Canada. Genre, rouge comme le pétro. Ça, je voulais dire. Sinon, aujourd'hui, j'aimerais faire des petites lectures pour mes cours à l'université. Je vous avais dit que je commençais ça. Ça va bien. J'aimerais m'avancer dans mes petites lectures. Puis dehors, ça se fait bien. Sinon, aujourd'hui, les plans, ben, il n'y en a pas vraiment. Donc, je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais vlogger, mais on va jaser, hein. J'aime ça vous jaser, même si j'ai rien dit. Hein? Donc, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer un peu. Mes petits arbres, ils ont tout fleuri, ils commencent à fleurir. Et moi, c'est comme une surprise parce que, oui, on a commencé les rénovations en juillet. Puis là, juillet, août. Donc, techniquement, j'ai vu les arbres, mais on dirait que j'étais tellement pas. Comme le dernier de mes soucis, c'était de garder les arbres. On dirait que je pensais pas à ça. Celui-là, j'ai hâte de les voir tout fleurir. Comme là, celui-là, le gros, là. Commence à avoir des feuilles. En tout cas, ils sont beaux. Puis j'adore celui-là qui est en arrière de moi. Il est tout comme jaune. J'aime ça au bout.
Donc, tout de suite, je pense que je vais rentrer à la maison et je vais laver ma petite vaisselle. Je pense que c'est pas mal ça. Puis ensuite, je vais venir nettoyer. J'ai balayé, dans mon dernier vlog, là, vous m'avez vu, j'ai balayé mon petit endroit là, de briques là-bas. La poussière a tout été sur notre foyer, genre. J'aimerais laver ça. Puis à mouiller, j'aimerais laver ma petite table. Donc, je vais faire des petites choses dehors. Puis, on va en profiter. Il fait beau. Je me suis mis une robe. Ça, c'est une robe que j'apporte toujours en Floride. D'habitude, je la mets à Animal Kingdom parce qu'il y a comme des animaux dessus. Je suis thème. J'essaie de faire des petits thèmes. Mais c'est comme une robe parfaite pour la journée d'aujourd'hui. Donc, oh, le soleil revient. Le soleil se fut. J'ai le bras ensoleillé. Oh, j'ai un appel. Oh, c'est mon appel quotidien avec ma mémé. Elle est mourable. Allô, ma mémé! Bonjour! Oui, j'ai fait des devoirs. Je vais pas l'arrêter longtemps parce que c'est le copyright, là. Mais c'est la nouvelle chanson Lady Gaga puis Ariana. C'est une vraie chanson d'été. Je voulais juste vous montrer comment j'étais contente. Regardez ça, mes lunettes. Bon, après, je reste comme dans les années... on dirait 80 ou je sais pas comment... quelles années, là, mais... Après, ça revient à l'endroit. En tout cas... Mon bébé a arrangé ma tasse. Je suis trop contente. Ma mère est arrivée une fois ici avec de la glue gun. Mais pas avec la glue gun, mais avec de la petite colle, là. C'est celle-là. Francis l'utilise au pétro pour faire ses baguettes de poule puis ses tables de poule. Ça s'appelle... Genre, c'est petit comme ça. C'est crazy glue. Pis genre, c'est vraiment de la crazy glue. Celle-là, ça... Ça dresse pris sur les doigts, en tout cas. Puis elle, en liquide, Francis a mis en gel. Il a dit, genre, ça faisait comme une semaine. Ben, depuis, j'étais tout moins chaud. J'ai comme, Charles, j'aimerais avoir de la Crazy Glue. Charles, j'aimerais avoir de la Crazy Glue. Charles, j'aimerais avoir de la Crazy Glue. Celui-là, j'avais parlé de ça à ma mère. Là, pensons à ma mère arriver ça avec ça. Puis, tiens. Ça, puis une extension, là. Parce que j'avais dit, je voulais avoir une extension noire. Oh mon Dieu. Ça, là, elle arrive avec ça. Là, je dis ça à Francis. Je dis, oh, maman m'a acheté de la Crazy Glue. Il dit, j'en ai plein au pétrole. Je dis, oui, mais ça fait une semaine, je te demande. Ah, ouais. J'étais comme, merci de m'écouter. Ça, là, je suis trop contente. Je l'utilisais depuis, mais regarde. Ça fait quand même plus joli avec une. Mais je la forcerai pas trop. Là, tu sais, là, je la lave à la main, puis je vais la tiendre par ça. Et puis, une autre affaire. Que je suis trop contente, mais je viens de les trouver, genre c'est trop drôle. Une de mes amies. Allô Van. Ok, je m'excuse, ça a coupé. oui, ça je disais, je suis trop contente, mais je viens juste de les trouver, c'est drôle. Mon amie m'avait envoyé un message, elle dit, oh mine, elle dit, je sais que tu portes des bandeaux, elle dit, je m'en ai acheté, mais elle dit, ça va pas pour moi, comme, ça marchait pas trop avec elle. J'étais comme, attends, je vais te les donner, là, j'étais comme, ben non, tu sais. Elle dit oui. Puis là, elle m'a envoyé un message hier, puis elle dit, ah, oh, elle dit, mon mari va aller te les apporter. Mais tu sais, on dirait, j'ai jamais vu son mari arriver ou peu importe. J'étais comme, ah, peut-être, il n'a pas passé. Là, j'étais assise dehors tantôt. Puis les vois, ils sont sur la chaise. Là, j'ai envoyé un message, oh my god, j'ai dit, as-tu hier? Elle dit oui, elle dit, là, la laissée là. Elle dit, j'ai oh my god, j'ai dit, endormi dehors. Ça les a fait prendre de l'air. Ça, là, j'ai 5 beaux bandeaux. Je vais vous montrer ça. C'est comme un petit haul. Moi, je suis tout le temps amusée à dire ça. Un petit haul surprise. Ça, là, j'en ai un beau. Genre burgundy. Love it. Ça, c'est trop beau. C'est comme un petit aqua. Ensuite, ça, c'est comme un vert forêt. Genre, là, à la caméra, ça ressemble noir. Là. Beau vert forêt. Oh, lui, trop beau. Petit rose baby. J'adore. Puis moi, j'adore quand il y a un petit chose sur le fil. Comme tu sais, celui-là aussi, j'ai un petit chose sur le fil. Comme un petit nœud ou un petit bas, je trouve. Quand j'en ai, genre, qui est juste comme plat. Puis je trouve, on dirait que ça manque. De... Puis celui-là aussi, j'aime ça pour l'été. C'est genre comme tout autour. Là. Tu fais genre une peignée. Puis moi, j'aime mettre ceux-là quand je me fais une couette. Quand j'ai les cheveux louches, j'ai de la misère à styler ça. Là.
Mais j'adore quand j'ai une couette mettre celui-là qui va tout autour de la tête. Je l'aime trop! Vraiment une belle couleur. So, merci ma belle van. Trop fine. So, je vais aller ranger ça. Après... Ouais, je pense que je vais faire mon lave-vaisselle. Donc, stress! Et ça paraît que l'été s'en vient parce que... à la radio, là, que je mets toujours... Pop It. Oh, il y a comme quelque chose. C'est genre les chansons populaires de l'heure. Tu sais, quoi c'est ça? C'est tout collant. Puis c'est toutes des chansons genre d'été, là. Oh, là, c'est parti. Je m'excuse, vous avez vraiment... Vous allez me voir là-dedans des ports. Puis oui, est-ce qu'on peut voir? J'ai un petit temps. Je sais pas si vraiment on peut voir. Un petit temps, puis je faisais comme ça, j'avais du Grand Bingo. On aime ça le Grand Bingo, ok? Laissez-vous aller, c'est l'été. So, ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire mon petit ménage, je vais laver ma petite vaisselle, mon petit. C'est trop drôle parce que je pense comme une affaire de famille. Tu sais, des fois, comme moi, je fais pas une fondue. Je fais une petite fondue. Puis c'était trop parce que j'avais parlé de ça avec ma tante Doda, qui est une de mes... comment je pourrais dire ça? Mes commentatrices. Elle qui commente tous mes vidéos. Hello, Doda. Je te fais un petit moment. Ben, c'est ça, on avait parlé de ça à moi, Pierre. Elle et moi, je devrais dire. Puis elle disait, moi aussi, elle disait, on dit tout le temps petit. Ma maman aussi, elle dit ça. Oh, aujourd'hui, j'ai fait un petit souper, j'ai fait un petit... On dirait qu'on n'est juste pas capable de dire, ah, je vais faire un ménage. Ou, ah, je vais faire la vaisselle. Je vais faire un petit ménage. Je vais faire une petite vaisselle. Je sais pas s'il y en a d'autres comme nous autres. Mais en tout cas, là, je parle pour parler. Là. Mais il y a autre chose que je voulais vous montrer dans la cuisine? Non, c'est pas mal ça. Je pensais que j'avais d'autres choses à dire, mais non. Donc, je vais aller faire ma vaisselle. OK? We'll be right back.
Bonjour! Une nouvelle journée, un nouveau chapeau! Lui, il est assez gros, ça me fait de l'ombre à la maison. Oh, Francis dit j'ai l'air. Il dit t'as l'air quelqu'un est dit en Floride qui veut rien savoir. Mais quand c'est soit ça ou que je brûle la tête. Là, je voulais juste vous dire, oh non, j'ai 28%. Mais regarde, je vais faire un petit peu de devoir. Là. Il est 11h50. Je vais faire un petit peu de devoir avant le dîner. Puis, pour ceux et celles, mais je pense plus celles, j'ai eu genre 4-5 messages là, concernant l'université en ligne. Là, mais tandis que je m'en vais faire ça, là, je peux vous expliquer. Moi, j'utilise. Ben, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Là. Je pense Books. Directement, genre l'application sur Apple. Vous pouvez télécharger vos lectures là-dedans. Moi, j'ai de la misère. Attends, je vais essayer de le faire avec mon doigt, là. Quand j'utilise cette application-là, je peux pas écrire dessus. Je sais pas pourquoi. Ah, oh, peut-être page. Page, peut-être. Attends, j'essaie quelque chose avec vous. Je vais essayer de trouver un document. Parce que moi, j'ai acheté un document, une application. Parce que je pensais, je vous ai déjà dit là, que j'avais déjà acheté un Apple Pencil pour faire des belles notes cute, mais ça fonctionne pas. Ok. Attends, là, je peux-tu dessiner? Ok. Merci, merci, bonsoir, merci. Appareil photo du D, section document. Non. En tout cas, je crois dans un livre, vous pouvez. Mais moi, j'utilise GoodNote. GoodNote. Ah, c'est ça. Même vous télécharger Word, vous pouvez comme ça, ça vous coûte rien. Celle-ci, si vous avez un Apple Pencil, je trouve que c'est comme un bel investissement, mais si vous en avez pas comme moi, puis vous avez juste un petit crayon 3$ tactile, ça vaut pas vraiment grand chose. Mais moi, je me fais genre comme là, j'ai plein de documents là. Celui-ci. Mais là, c'est pour mon cours de cette année. Donc là, je me fais des dossiers. Ensuite, là, je mets toutes mes lectures. Là, aujourd'hui, je vais télécharger d'autres lectures. Je peux même écrire. Comme là, j'ai écrit un cœur, mais j'ai écrit presque la même lecture que Boutin. Comme là, je me donne comme des... Je me mets comme des aides-mémoires, là. Puis un petit peu partout dans ma lecture, ben, je m'écris des petites choses importantes pour quand je vais faire mes travaux par la suite. Mais tu sais, on peut choisir... Oups! Comme là, vous voyez en haut, là, j'ai des couleurs. Comme je peux choisir la couleur de mes surlignants. Ça, j'ai juste découvert ça après parce que... je trouvais que le vert pétant, c'était un petit peu agressant sur les yeux. Donc là, j'ai pris un beau petit... couleur qui me représente, je trouve. Petit rose bébé. Donc, ouais, ça, c'est une des applications que j'aime beaucoup. Je vous parlerai plus d'Uni en profondeur au courant de l'été. Là. Je ferai peut-être une petite vidéo, une petite partie de vidéo là-dessus. Mais c'est ça, GoodNote, Words ou le Books de votre... Puis même quand vous téléchargez un document, genre, de peu importe la plateforme là, que votre université va utiliser, mais genre, ça va vous dire, là, exporter en PDF, ou ouvrir dans ci, ou ouvrir dans ça. Genre, ça vous donne des choix sur votre iPad. Je trouve, après, c'est le fun. On peut se faire comme des documents, puis après, on peut comme, s'enligner, genre. Ah, il y a même... c'est ça? Ah, non, c'est pas ça. Je vais se faire... J'allais pour vous induire en arrière. Enfin, quoi, j'avais téléchargé... genre une application comme de post-it, là, puis je
comme je pouvais mettre mes devoirs puis tout ça, mais moi j'aime avoir mon agenda là. C'est juste comme une place de plus si jamais. Mais là, c'est pas la bonne. Donc ça vaut rien tout que je vous ai dit ça. Donc là, je vais aller faire ça. Il me reste juste 27%. J'aurai probablement le temps de finir une lecture puis en commencer une autre. Puis là, aujourd'hui, c'est certain que je commencerai pas un projet là. Non, merci. Avec la chaleur. Je vais attendre une journée là qui fait un petit peu moins chaud, peut-être dans la semaine prochaine. Puis, ben, c'est pas mal ça. Je vais aller continuer ma lecture, puis peut-être faire un petit dessin. Oh, en passant. Ouais, l'application là que je vous parlais de, les dessins Lake, celle-ci. À tous les jours, là, c'est comme je vous avais dit, c'est une surprise. Vous pouvez aller vous chercher. Oh. Vous pouvez aller vous chercher des dessins. Ah, comme là, j'en ai trop nouveau. Aujourd'hui, j'ai des petits oiseaux. Puis si je veux les sauvegarder, genre aujourd'hui, ah, ça me tente pas de colorier des oiseaux, exemple. Mais là, je vais juste venir faire une petite touche de couleur. Puis là, automatiquement. Ben, ils vont se garder dans studio. Ceux-là, je veux les avoir. Quel autre que j'ai aussi? Oh, cute! C'est genre un petit bonhomme avec des légumes, des fruits. Comme dirait mon amie Anna, les légumes, c'est génial! Une fois, elle avait un projet à faire, puis il fallait qu'elle fasse une entrevue avec quelqu'un, puis j'étais là moi aussi, parce que je faisais une entrevue avec son amie. Genre, je pouvais pas la faire avec elle, puis je la connaissais trop. Ben, elle pouvait pas le faire avec moi parce qu'elle me connaissait trop. Puis là, on a entendu dans son entrevue, elle était comme « Oh wow, tu manges tes légumes! Les légumes, c'est génial! » On la niaise avec ça depuis. Oh! Et ça, regardez comment il est beau! J'adore ce dessin, genre comme abstrait, genre. Mais comme, pas abstrait là, mais en tout cas. Puis, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Hier, j'ai fait un beau petit ours avec des personnages. Après, regardez-lui comment il est beau. Je vous jure, c'est relaxant au bout. Après, celui-là. Et les petits donuts. Ça, c'est l'application que mon amie Laurie m'avait montrée. Puis moi, je lui ai montré Apicolor. J'avais trouvé celle-là d'une fille que je suivais sur Instagram, sur mon compte d'enseignante. Les mini d'Amélie. Puis, depuis que je lui ai montré lui, elle fait souvent celui-là parce qu'on n'a pas besoin de choisir les couleurs. Lui, c'est genre de la peinture à numéro, ça c'est comme plus, ben pas plus relaxant. On dirait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, j'allais dire, mais c'est pas trop un cassage de tête de choisir des couleurs. Mais bon, là, je parle pour parler, là, mais ouais, je vais aller faire mes petites lectures. En fait, une bouteille d'eau. Et on va aller dehors. Je me suis crémée aujourd'hui.
journée. J'ai mangé un petit... Encore un petit salade. Puis, ouais, là, j'arrive à l'épicerie. J'ai mis mon manteau et je vous dis, les amis, je suis du pinch. Je suis du pinch ici et dans la craque de coude. Je sais pas si vous avez ça vous a déjà arrivé de suer de la craque de coude. Ben, c'est aujourd'hui ça se passe. Et ça, je vais aller faire. Genre, c'est même pas une épicerie, là. C'est, j'ai pogné le goût de manger des tacos aux crevettes comme j'avais fait l'autre fois. Ben, j'en suis quand même un bout, là. Puis, j'avais pas le trois quarts des choses que ça prenait. Donc, je suis allée chercher ça. Je suis allée chez Frenette. J'ai pris du feta, comme ça. Après, j'ai pris du yogourt grec. J'ai pris des avocados. Mais là, ça me fait un petit peu de peine parce qu'ils sont durs. Probablement, je ne pourrais pas faire de guac ce soir. Ça me fait un petit peu de peine parce que c'est meilleur avec la guac. Mais, on va se croiser les doigts. On va lancer ça dans l'univers que mes guac, que mes avocats viennent mous d'ici ce soir. Je pense pas. Ça, c'est ma maillot que j'adore, que je mets partout. C'est ça, maillot chipotlé. Choix du président, allez chez Frenette. J'ai pris les petits. Moi, je prends la marque genre des bois jaunes parce qu'ils sont tout petits, ils sont tout cute. Ça. Après, j'ai pris un mix à salade de choux que je vais mixer avec ça, avec nos crevettes bang bang. Ça va être bon. Et j'ai pris des Tostitos comme ça. Et moi, j'adore les sacs bruns. Je sais pas où est-ce qu'on peut les pogner. Je sais qu'avant, je prenais ça au Costco, mais ça. C'est genre des sacs bruns, sont genre meilleurs pour la santé. À quel point je sais pas. Ils doivent juste être moins salés. Et j'ai pris des belles fraises. Il y avait des belles fraises. Donc, j'étais bien contente. Ah! J'ai pris des petits salami prosciutto. Je trouve que ça dépanne pour les petits dîners. Oh, vous voyez juste la moitié de la face. Là, je vais ranger ça et on s'enligne à faire. Une limonade maison, ok? Ryan Seacrest. Secret. Luc animait. Ben, Luc anime encore. Hein. America. Quel anime, lui? American Idol. Bon. ouais. Je vais faire une limonade. Je pense que ça va être la journée parfaite. Puis, genre, c'est super simple. C'est Laurie Doucet. Je vous ai déjà parlé d'elle. J'avais fait ses muffins aux bananes souvent. Là, elle a sorti une recette de limonade. Ça a l'air trop bon, mais trop frais plutôt. Mais bon et frais. Puis ça a l'air vraiment simple, genre une tasse ou une demi-tasse de jus de citron. Aux Asies, ça prenait genre comme 4 citrons. Après, un petit peu de sucre blanc. Ou que c'était du sirop d'érable. En tout cas, je vais vous montrer ça. On va faire ça ensemble. Je vais même peut-être mettre des fraises dedans. Je sais pas ce que je vais faire. Mais noum, je fais ça. Puis je vous montre le résultat. Après, je vais aller dehors boire ça. Ça va être le fun. On se retrouve pour la limonade. Ça prend juste 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Premièrement, une limonade, ça prend des citrons, ouais. On a besoin des beaux citrons, du sucre blanc, du sirop d'érable, de l'eau et de la glace. Et c'est tout. C'est vraiment facile. Encore. Comme ça. Puis combien de jus de citron? Elle a dit une demi. C'est pas beaucoup quand même. Elle a dit c'est environ 4 citrons. Donc j'essaye ça. J'ai jamais fait de limonade maison. Non. Puis c'est sûr ça va être rafraîchissant. Avec du sirop d'érable dedans pareil. Ça va être bon.
En passant, il y a quelqu'un qui m'a dit je vais adresser le sujet tout ça. J'avais dit dans mon home tour. Et quelqu'un qui m'avait dit c'est drôle, on dresse tout le temps la même heure chez vous. C'est parce que j'ai juste jamais mis de batterie dans. Oh non, là, c'est la seule et unique raison. J'ai des heures partout, j'ai des heures sur mon micro-ondes, sur mon fridge, sur mon fourneau, sur mon téléphone, sur mon ordi, sur mon. Tu sais. So, j'ai pas besoin de mettre des batteries. Ah mon dieu, j'en ai une là, puis j'en ai une aussi dans la salle à manger. Qui a pas de batterie non plus. Faudrait peut-être, là. Ça va faire presque un an qu'on aime ça là. Oups. Donc, je fais ça, puis on se revoit pour le résultat final. J'ai fini, regardez comment c'est beau. Puis mon petit chum veut faire un test avec moi. Chin chin, regardez comment il est beau. Il s'est tout coupé les cheveux. Et pas qu'on a les cheveux blancs. Non, mais. Ça veut de le citron. Oui, c'est une limonade. Non. Un paquet de glace. Comment dire, ça a mis là-dedans. Good bonne, hein? Vraiment bon. Comment, qu'est-ce que. Tu donnerais quoi sur 10? 8.7. Ah, qu'est-ce qu'il manque? Ben, j'aime pas le citron. Ok. Merci. Merci de ta participation. Ouais. Pour une fille qui aime le citron, moi, je lui donne un gros 10. C'est vrai, quand on va en Floride, t'aimes pas ça boire des limonades? Tu vas la boire quand même? Tokyo Pitché. Elle est vraiment bonne. Comme ça goûte. Une limonade. Mais que j'aurais acheté là. J'en ai un bout de limonade. Là. Oh! Un bout là. Donc je vais aller boire ça dehors. Je vais aller continuer mes lectures. J'en fais un petit peu à la fois. Ça va bien. Et ce soir, je crois qu'on va faire quelque chose de spécial. Ben, je vais pas vous dire tout de suite, en tout cas, qu'on le fait pas. Mais je peux vous dire, ça dérange pas. Si on le fait pas, ben garde. Je l'ai pas montré encore, mais j'ai eu quelque chose de... Ouhou! Mais je vais vous montrer tantôt. Je vais juste vous dire que c'est... Tu sais, moi, j'ai mon auto. Genre, j'ai mon Jeep, j'ai ma même mobile. C'est quand j'étais jeune... Tu sais, ok, je vais reprendre ça. Vous savez que mon bicycle, mon vélo, je dis que c'est ma mine mobile. Mine mobile. J'ai dit ça une couple de fois dans mes vlogs. Sur le mine mobile, ça vient d'où? Ça vient genre de mon ma première voiture. J'avais eu une Coccinelle. C'était genre mon rêve de petite fille. Puis c'est encore mon rêve d'en avoir une un jour décapotable. Ben ça, je vais m'en acheter une un jour. Puis. So là, ça vient de la mine mobile. So là, ben, je niaisais avec mon chum, ma famille, mon Jeep. Ben, je checkais, ah, c'est ma mine mobile.
Mais mon vélo, ça ressemble plus à une mine, tu sais. Il y a les colorés, il y a des fleurs. Mais là, je vais vous dire que c'est un nouveau, ben, ou une nouvelle, là, mine mobile. Je dis ça, je dis rien, mais on va probablement aller en faire à soi parce que j'allais dire quelque chose, puis là, vous allez savoir c'est quoi. Mais ouais, quand c'est, je pense que c'est la semaine passée. Ouais, je vous l'avais pas dit parce que ça, je voulais vous montrer en vrai. Mais je suis pas mal excitée, puis là, c'est comme la journée parfaite pour ça. J'en dis pas plus, mais je vous montrerai probablement ça tantôt. Parce que c'est ça, Francis a venu faire une petite pause. C'est probablement fort parce qu'il écoute un film, genre. Il vient prendre des pauses de genre 15 minutes là, pour se rafraîchir à la maison ou genre à la salle de bain ou peu importe. Mais genre, il commence un film où il faut tout le temps qu'il écoute un film. So, ouais. Moi, je vais aller boire ma limonade qui est genre trop bonne, je vous jure. C'est... Puis imaginez ça, je sais si je vais faire. Ça goûte quasiment elle du thème. Mais genre moins sucré. Moi, j'aime mieux ça. Genre, j'aime mieux elle vu qu'elle est moins sucrée. Puis, je pourrais blender genre la glace, ça fait comme une slush. En tout cas, je m'en vais boire ça. Et là-dessus, on se dit un petit tchin tchin. Trop bonne. Mais pour vrai, ça, je vous mettrai le lien de sa recette dans la barre d'infos. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais mon chichon, il est trop beau, ça fait couper les cheveux hier. Il est toujours beau. J'ai dit tout le temps. À chaque fois qu'il se fait couper les cheveux, je dis tout le temps beau, mais genre, quand tu te fais couper les cheveux, là, le vite. Ok, c'est ça. J'arrête de dire que moi, tu as mes beaux les cheveux coupés. Bye bye. Tu l'as bu sur match? Oui. Bye. Bonjour, on se retrouve. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis trop contente. Je sais pas si vous en souvenez, mais dans mon dernier vlog, j'avais dit que j'avais goûté des nouveaux chips que j'avais jamais mangés. Puis, c'est de la marque Yum Yum. C'est cheddar doux. Mais le... Oh, je suis allée à conditionner. C'est beau! c'est les Yum Yum, mais les Yum Yum, genre, ils viennent juste comme une fois par mois au pétrole ou quelque chose comme ça. Puis, depuis que j'en avais goûté, genre, j'avais peut-être mangé 3-4 chips, là. Et j'avais ce goût-là, genre, depuis la semaine passée. Là, chaque jour, je prenais une marche au pétro. Francis, il dit, gars, tu charges, je dis. Puis, on dirait, je sais pas, je pense, j'y ai dit, mais il dit que ça s'en souvenait plus. J'ai dit, change les Yum Yum au cheddar. Ou, le, je disais le sac jaune. Puis, moi, je dis souvent, genre, je lance ça dans l'univers, comme, puis ça va arriver. Là, j'ai lancé dans l'univers, j'ai dit « Quand les Yum Yum arriveront? » Genre, j'ai dit ça hier soir, je crois. J'ai dit « Quand les Yum Yum arriveront? » J'ai dit « J'aimerais en avoir. » J'ai dit « J'aimerais avoir un sac pour la maison puis un sac pour maman et papa. J'aimerais y faire goûter. » Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver. En plus, là, il y a une tune de Cardi B qui... C'est pas mal comment je me sens. C'est ceux-là! Ouh, les Yum Yum sac jaune! C'est les cheddar doux. Non, mais je vous dis, c'est... Yum! Ça, une autre découverte chip. C'est ça, on est dans les chips. J'adore ceux-là. Veggie Crips Légumes Ketchup. C'est juste trop bon. Ça me fait penser à Johnny, tu prends Josette. Le podcast, si vous aimez les chips au ketchup. Lundi prochain, il sort une vidéo. Puis justement, là, ben, il fait comme un taste test. Genre, c'était le mukbang, là. Il va manger plein de chips au ketchup. Puis j'imagine qu'il va comme genre les noter, là, quel qu'il aime mieux. Mais ceux-là sont vraiment bons. Je les avais pas goûtés. Mais tu sais, c'est pas vraiment dans la catégorie chip. Là. C'est plus dans la catégorie croustille santé. Mais les autres, moi j'adore. C'est ça, je lui avais envoyé comme message. Moi j'aime beaucoup les Old Dutch cuits au four. Et les. Je pense que c'est les choix du président Ruffle Ketchup. Ceux-là sont bons. Ils sont comme full d'épices à ketchup. En tout cas, là je vais aller mettre la crème de After Sun. Mon amie m'en a montré une cette semaine, mais je la trouvais pas.
Oh! Je la trouvais pas. Mais je crois que j'en ai trouvé une. Oups, désolée, l'éclairage. Je crois que j'en ai trouvé une de la même marque. Mais il me semble qu'elle était verte. En tout cas, je sais pas. Mais là, je prends la Hawaiian Tropic. Puis, je l'aime bien gros. Elle sent la mangue des îles. Avez-vous déjà senti les mangues des îles? Je vous jure, ça sent bon. Attends, regarde, je vais vous faire sentir. Santé. En tout cas, je vous dis, ça sent bon. Puis ma crème solaire, je suis vraiment pas... J'ai pogné la seule que je voyais, que j'ai vue à la pharmacie en spray comme ça. Moi, j'aime mieux en spray. Je trouve que ça va plus, je sais pas, plus rapidement. Ça se met plus vite. J'ai pris la Copper Tone Sport. En tout cas, 50 fps reste sur la peau malgré la sueur. C'est parfait pour moi. Je vous ai dit tantôt que je suis d'ici et du dedans de coude. Les enfants, je vous dis des fois. Je suis trop bonne. Et pour mon visage, j'ai pas mis celle-là. J'ai mis... J'utilise la gamme R9 Advance de Arbonne. Puis c'est la lotion éclaircissante protectrice. Puis il y a un SPF 15 dedans. Ça, j'utilise celle-là pour mon visage, mais avec mon gros chapeau, on s'entend que je n'avais vraiment pas besoin. Donc là, je vais aller me crémer. Oh mon dieu, ça sent bon. J'ai eu un petit peu de couleur. Et les angles que je vous fais des fois. Oh, ça sent bon. Puis après, je pense que je vais aller commencer le souper. Non, donc voici le petit souper. C'est pour ça. Oh, désolée, mais c'est ça. Pour ceux qui ont déjà mangé les crottes de bambin, comme c'est clairement pas les mêmes. Comme j'ai mis le sachet, c'est juste comme une... Regardez, c'est comme une huile, genre, ça a comme imbibé les crevilles. Et je vais vous dire que j'ai fait le saut. La chaleur m'a sorti les pores de peau assez vite. Mais ouais, je pense bien qu'on va être bon. Hein? Ensuite, ici j'ai mis du fromage grec, notre salade de choux. Du yogourt grec, là j'ai fait un petit peu de guac. Juste avec un avocat parce que les autres sont dur. De la salsa, j'ai pas fait un petit picot de galop aujourd'hui, là, ça me tente de faire ça bien simple. Des petits chips. De la mayo comme ça, ça c'est mon préféré, je vais le montrer tantôt. Et elle, je l'aime bien gros pour mettre avec les crevettes. Allô, as-tu tourné aujourd'hui ou demain? Merci. Coriandre et lime, la Hellmann's. Vraiment bon. Et là, mes petits pains sont en train de cuire. Donc, j'ai préparé la table là-bas. Là-bas. Et on va aller manger ça. Bonjour, c'est un vlog. Et regarde, regardez qui est là. On est venu chercher de la limonade. Est-ce que vous la reconnaissez? Ah, ben, les deux. Ouais. Ben oui. Laurie, bonjour, Laurie. Bon. Tu... Oh, ma phrase classique, salut le vlog! Ça c'est Laurie, ça c'est Angélie, c'est elle qui avait eu le cadeau de fête l'autre fois. Et j'étais de même, je te pointais comme ça. J'aimerais juste vraiment regarder comment ils sont bien. Ils sont les deux avec le crocs! C'est même pas prévu. Avec la limonade jaune, c'est vraiment terrible. C'est rien qu'un croc.
Désolée, j'ai fait un petit hoquet de... petit hoquet de s'mores. Mais c'est trop cute, j'aime trop ça. Les petites lumières qui viennent du Kent. Puis là, on a terminé notre petit feu. On va aller écouter une émission. C'est genre une émission de maison, là, de vendeur de maison. C'est Netflix, c'est vraiment bon. Puis, c'est pas mal ça. J'aime trop notre arbre ici. Les parents à Francis viennent juste de partir. Puis la maman à Francis a dit qu'ils viennent tout gros. Ils viennent tout. Lui, il vient tout gros. Puis tout vert. Après le jaune là-bas, il vient encore plus gros. Puis il fleurit. Puis on a un petit pommier devant la maison. Ça, j'ai hâte de voir ça. Puis ici, c'est ma petite rocaille. J'ai mis papa à mamie du pays. Puis. Là, ça a l'air, c'est des fleurs. Le sol qui est en train de pousser, là. Ça a l'air, c'est des fleurs, genre, mauves. Puis là, ça a l'air, il va en avoir tout au long, là. Mais, ouais, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a là avant de planter, tu sais. Je voulais pas planter, puis il y avait déjà des fleurs. Donc, ça sera peut-être pas pour cet été, là, parce que... Mais, je sais pas. On va voir si ça pousse. On se retrouve quand même beaucoup plus tard. Il est rendu 11h. Est-ce que tu dis bonne nuit au vlog? Hein? Est-ce que tu dis bonne nuit aux amis? De beaux rêves. Francis a dit peut-être de beaux rêves. On vient de finir d'écouter le film Wrong Missy, je crois. C'était vraiment drôle. C'est un film sur Netflix. Je pense que c'est un film de Adam Sandler. Mais en gros, genre, il se trompe de blonde. Genre, il rencontre quelqu'un, mais dans le fond, il se trompe de personne. La personne qui s'est trompée arrive en voyage avec lui. En tout cas, c'est vraiment drôle. En tout cas, ma phrase s'est crampée. Je pensais qu'il a vraiment crampé un bout. Moi, j'aime assez ça l'entendre. Il rit à cœur. En tout cas. Mais ouais, on a eu une belle petite soirée. Finalement, je vous ai pas montré la mine mobile. La nouvelle mine mobile. Vous la verrez. Oh, je viens de m'apercevoir que je suis noire. Je suis comme... C'était pas clair. Hein. Mais... ouais. C'est ça, je vous ai pas montré ma mine mobile parce qu'on est pas allé au chalet à la fin. J'ai eu de la belle visite de mes amis. Puis là, ensuite, ben, après, c'était un petit peu fatigué. On a juste décidé de relaxer avec le feu dehors. On a mangé nos premiers smores à la maison. Ça, c'est pas mal tout. Là, il est 11h. Je vais aller mettre en pige. Puis, on va aller faire des dodos. Et là, on a commencé. Mais là, je pense qu'on va écouter comme un petit bout, là. Il coûte toujours un petit peu quelque chose dans l'air. Je pense que ça s'appelle A Little Fire ou A Little Fire Everywhere ou A Little. C'est quelque chose là. C'est une nouvelle série sur Amazon Prime, si je me trompe pas. Ou Crave. En tout cas, je vais manquer de batterie. Puis l'autre n'est pas chargée. Donc, oups. Un gros merci d'avoir écouté le vlog. On se parle bientôt. Merci encore pour tous vos bons commentaires. J'aime trop ça. Ça me rend trop heureux. J'espère que vous avez aimé mon petit jeudi ben tranquille. Et à la prochaine. Bye. Je m'excuse. C'est vraiment pressé. Bye. À la prochaine. Ok. Je parle. J'aurais pu continuer à vous parler. Mais merci. Bye. C'était vraiment pas grand chose. Mais c'était ma petite journée avec moi.